Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit retour de course. Donc bien évidemment, confinement exige, c'est juste des courses d'appoint. On vit un peu avec notre stock de ce qu'on a déjà dans les congélateurs, etc. Mais il fallait quelques petits trucs d'appoint, des trucs un peu frais, un peu d'épicerie. Et puis voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en frais, j'ai pris deux sachets de salade qui vont jusqu'au 28, mais... Même après, je pense que c'est encore bon, donc j'ai pris deux sachets de salade. À pouvoir manger un peu de salade, ça faisait longtemps et ça me manquait. J'ai repris des gruyères comme ceci, hein, parce que ça part super vite. On a fait des crêpes, des pâtes et tout, donc on n'en avait plus. J'ai repris des fromages à burger, le choc, des burgers et des hot dogs, hein, si ça m'en soupe. Donc je vais faire du pain à burger, du pain hot dog, voilà. J'ai repris des œufs parce que je n'en avais plus et ils vont jusqu'au 6 avril. Donc je vais faire de la pâtisserie, j'ai des œufs à passer, donc je vais faire de la pâtisserie, je vais les congeler. Je nous ai pris un saucisson, petit péché mignon, voilà, petit peu de temps en temps. Ensuite, en fait, j'ai pris des saucisses de Francfort par 4, ça c'est vrai que ça va aller pour faire les hot dogs, ça va jusqu'au 18 avril, donc ça va loin. Ensuite, j'ai trouvé ça au surgelé, c'était nouveau, c'est la campagne arctique. C'est des feuilletés au fromage, donc ça c'est au boursin ail et fines herbes. Et là c'est thon et boursin poivre noir, voilà. Donc ça avec une petite salade, ça sera juste parfait. Ensuite j'ai pris deux confitures de fraises, puisque je vais refaire les yaourts à la confiture. J'ai trouvé des yaourts qui me correspondaient 100%. Les yaourts à la confiture c'est juste une tuerie. J'ai pris pareil pour un petit plaisir des chips à la crevette. J'ai pris pour moi le matin des céréales. Donc vu que je voulais pas un gros paquet, j'ai pris des petits paquets comme ça. Donc il y a Lion, Chocapic, Nesquik, Crunch, encore Chocapic et Cookie Crisp. Donc voilà, c'est des petits paquets, c'est une portion, c'est parfait. Et j'ai pris ceci, donc c'est Miel Pops, Coco Pops, Frosties, Coco Pops, Miel Pops, Coco Pops, Coco Pops et Frosties, voilà. Donc ça, c'est parfait également. C'est 28 grammes. Ça me fait mon petit déj, donc c'est... parfait, voilà. Et j'ai repris pour le matin puisqu'il n'y avait plus d'orange, donc j'ai repris du jus d'orange comme ça, bio, les pressades, et j'ai pris la même chose en multifruits, voilà. Ça c'est pour le matin. J'ai repris du spray anti-calcaire, salle de bain dissous calcaire, éliminé traces de savon, fait briller, voilà. Je vais m'en servir pour faire mon ménage puisque je n'ai plus de Sanitol et que nous n'avons pas en magasin. Et j'ai repris du sopalin de l'essuie-tout. On n'en avait plus. Donc voilà, c'est tout pour les petites courses. C'est vraiment rikiki, je sais. Mais c'est vraiment des courses d'appoint. Et ma foi, je pense que ça va durer encore un petit moment. Donc j'espère que vous vivez ce confinement plutôt bien. Nous, on le vit plutôt bien, ça va. C'est pas toujours facile, pas toujours évident, mais on s'adapte. Je fais beaucoup plus de choses maison. En termes de pâtisserie, je fais de la brioche. J'ai fait un gâteau, je vais faire du pain, je vais faire des pains à hot dog, des pains à burger. Enfin voilà, on fait plein de choses. Pour ce qui est de l'alimentation, croque-kilo, c'est très compliqué sur le drive, il n'y a plus à rien. Hier, impossible de se connecter. Ce matin, il a fallu que je me connecte à 6h pour pouvoir faire mon drive. Et on ne trouve rien, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien, il n'y avait plus d'œufs. Il a fallu que je refasse un drive là en fin de matinée pour avoir des œufs, enfin bref, c'est une catastrophe. Je sais pas comment ils font. En tout cas, les pauvres, je suis tout cœur avec eux parce que ça doit vraiment pas être facile pour eux, pour les personnes qui préparent les commandes, etc. Mais c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Les gens, ils doivent se ruer dessus, j'en sais rien. Mais donc, du coup, impossible de suivre les recettes, enfin les menus croque-kilo. Donc, j'essaye de faire des menus plus ou moins équilibrés avec féculents, légumes et viande. Voilà, parce que je peux vous dire qu'en termes de poids, j'explose la balance, vraiment. C'est une catastrophe, voilà, c'est... Bref. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et attention à vous, et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bisous.